Eh bien, le bonsoir les potes, je vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 2 mars, du coup, 2020. Du coup, bah, c'est parti pour la deuxième boutique du mois de mars. Allez, hop là. Du coup, qu'est-ce qu'on a en boutique? Ça charge. Ok. Du coup, on a pas mal de retours de skins. On a un nouveau revêtement, celui-là, je connaissais pas. Ok, donc c'est parti pour la boutique. Nous avons le petit retour de la chevaleresse rouge. L'un des premiers skins sur Battle Royale, quand même. Donc, elle a fait ça même, sa petite entrée. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu en boutique. Et je sais qu'il y a énormément de joueurs qui l'ont dans leur casier. Du moins, tous ceux qui étaient là dans le début de Fortnite, etc. doivent l'avoir dans leur casier. Donc, je vous rappelle que tous les skins de la saison 1, du chapitre 1, ils n'avaient pas de cadeau avant. Et ce cadeau, il arrivait bien plus tard. Il arrivait deux saisons plus tard. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas. Du coup, le petit skin à 2000 V-Bucks, ça fait plaisir. Vous avez également la petite pioche que j'ai jamais achetée, c'est vrai. Mais j'avoue que les pioches stylées. Très fine, je sais que beaucoup de joueurs aiment bien les pioches comme ça, super fin et tout. Et puis les bruits en général des pioches plutôt stylés. J'aime bien le bruit de cette pioche. 800 V-Bucks, elle est pas très chère en plus. Vous avez également le petit retour des skins du coup, bah, de Toy Story. Hein. Je sais pas le dire, quand on avait les partenariats avec Epic Games. Donc là, le petit soldat avec 3 customs, la version verte, d'accord, la version gris et la version rouge. Bon, on dirait plutôt du rouge orangé, mais bon, là c'est Epic Games. Hein. On n'est pas à détail près. Ok, pour 800 V-Bucks. Ensuite, pour 400 V-Bucks, excusez-moi, vous avez 3 customs. Enfin, 3 customs, oui, voilà, c'est des customs de base, des revêtements, vous avez compris. Du coup, donc là, le premier revêtement, on va faire vite, couleur kaki militaire, quoi. Voilà, on va faire vite. Ensuite, vous avez version couleur un peu gris. Pareil, en fait, c'est les mêmes choses que les skins, du coup. Hein. C'est les mêmes couleurs, mais je pense que vous avez dû remarquer. Et en version, du coup, qui fait plutôt orange que rouge, hein. Je trouve que c'est plus... Ça fait plus orange. Je sais pas si vous voyez la même couleur que moi. Moi, je vois orange sur mon écran. Mais bon, on va dire orange, rouge, hein, peu importe. Pour 400 V-Bucks. Normalement, la skin féminin aussi, non? Ah oui. Je me dis aussi, il n'y a pas la skin féminin. Ok, la petite Gaïa de plastique également. Version féminine, donc vert kaki. Voilà, vert militaire. Couleur gris aussi. Et du coup, en couleur rouge. Voilà, pareil que le garçon. On est bon. Ensuite, on a également l'ensemble du brigade de bleuvage. Donc. Le petit revêtement, voilà, très simple, animé, pas animé, mais etc. Mais plutôt simple, revêtement couleur bleutée, jaune, voilà, pour 300 V-Bucks. Bon, ce revêtement-là, on l'a déjà vu, mais bon, pour ceux qui l'avaient peut-être pas dans leur casier, ils aiment bien le revêtement. Le petit skin que beaucoup de joueurs disent qu'il est mastoc, c'est vrai qu'il est mastoc, mais il est plutôt stylé. Du coup, il coûte 1500 V-Bucks, c'est vrai que je l'ai pas acheté sa première apparition, parce que j'avais acheté beaucoup de skins à la même période, et je peux pas tout acheter. Mais il est plutôt stylé quand même, mais bon, après, on peut pas tout acheter non plus. Du coup, le skin s'appelle... Bleuvage Gigator. Bon, je pense que c'est rapport avec son ensemble. Je pense qu'on a, compris. Du coup, il y a également la petite pioche, le Bibi Don, pour 1200 V-Bucks. Qui est plutôt assez imposant comme pioche quand même. Et du coup, on est bon. Ok. Le petit retour du skin Facette. Skin un peu ninja, du coup. Il y a beaucoup de skins ninja, plus en plus sur Fortnite Battle Royale. Du moins, sur Sauver le Monde, il y en a déjà beaucoup. Alors, déjà, donc bon. 1200 V-Bucks, ce petit skin. Ensuite, la grippeuse de retour en boutique. Skin qui sortit à la période de l'œuf du futuriste. Le bâton de feu. Qui sortit à la période des pirates et tout. La petite danse qui fait plaisir. Pour lui sauver Bob, franchement, c'est une bonne danse. Encore une danse, une de mes danses que j'adore vraiment. Je l'ai acheté. Bah, je crois que j'ai dû l'acheter la première fois aussi qui était sortie. Il y a déjà un an qu'elle est sortie de danse. Mine de rien. Vous avez également le nouveau revêtement. Ok, donc il est plutôt sympa le revêtement. La couleur est très sympathique. Le revêtement est réactif et animé quand vous tirez. Ah, il y a beaucoup plus de revêtements. Alors. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, j'aime bien. On va regarder sur le pompe comment ça fait. Ah, ça fait classe en vrai. Dès que vous tirez, l'arme devient de plus en plus claire. Regardez. Hop, dès que vous arrêtez de tirer. Hop, hop, hop. Ah, j'aime bien ce genre de revêtement là. En fait, j'ai remarqué qu'il s'appelle 3ème fois. Puis il faut un revêtement où c'est réactif quand tu tires. Ok, donc c'est pas mal. Ensuite, le sniper. Attends, je vais regarder sur le sniper. Ah merde. C'est pas grave. Je voulais montrer sur le sniper, j'appuie sur le touche. Bon, bah bref, c'est pareil, vous avez compris. Hein. Non, c'est plutôt stylé. Franchement, le nouveau revêtement est stylé. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Je vais réfléchir. On verra bien. Du coup, le salto infini. Du coup, pour 500 V-Bucks. Voilà, petite torse. Qui donne mal aux yeux quand même à force de le regarder. Du coup, cette danse là, elle est sur place. On n'avance pas pendant la game. Et du coup, la petite danse qui est assez récente, qui est sortie la saison dernière. Entraînement descend. Du coup, pour 200 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette petite boutique sympathique. Quand même, il y a vraiment un petit peu de tout dans cette boutique.
N'oubliez pas du coup de liker la vidéo, très important. Liker la vidéo, s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et le petit code créateur, j'ai la gameuse dans la boutique. En fait, vous pouvez la mettre dans votre boutique si vous voulez. C'est pas obligé, mais ça fera plaisir si vous le faites. Donc en majuscule ou en minuscule, ou juste comme moi si vous voulez. Moi je le mets comme ça, c'est toujours ça plus stylé. Mettre une majuscule en première à chaque mot. Enfin voilà, ça c'est parce que c'est comme le nom de ma chaîne, vous avez compris. Et également mon nom d'Epic Game. Du coup c'est tout, et je vous laisse à demain, hein, comme d'habitude. Même heure pour la boutique. C'est vrai qu'il y a vraiment que j'ai pas fait d'autres jeux sur ma chaîne. Juste que je prépare les jeux. Ça prend un certain temps parce que j'ai pas toujours le temps. Parce que ça, vraiment, ça prend du temps de faire des vidéos d'autres jeux. Donc du coup je m'organiserai et j'espérais faire très rapidement des jeux vidéo, jeux comme je faisais avant. Tous les lundis il y aura un jeu découverte, etc. Il y en a plein que je prépare, mais ça prend un certain temps. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de connexion à cause de ce qu'il y a eu quoi, dans mon immeuble, le feu qu'il y a eu, qui a brûlé des fils, qui fait que ça, j'ai galéré avec internet. Du coup c'est un peu galère de faire des vidéos de jeux, d'autres jeux, quoi, surtout quand le jeu en question prend beaucoup de connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que prévu de ce que je voulais faire. Alors prochainement il y aura deux jeux vidéo. Je sais je l'ai déjà dit la dernière fois et etc. Mais ça prend du temps de vraiment d'organiser tout ça. Et après dès que je vous le dirai de toute façon en vidéo de boutique. Dès que je vous dirai tel jeu arrivera tel jour. Bah il arrivera tel jour. Normalement le lundi sera les jeux découvertes. Alors des jeux que vous connaissez peut-être pas qui arriveront comme avant. Le mercredi je vais essayer de reprendre le jeu de Batman. J'espère pouvoir avoir le temps de... Parce que ça prend vraiment du temps à le poster. Parce que c'est pas un petit jeu, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, on verra ça. Du coup je vous le dirai de toute façon dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas de boutique. À chaque fois d'habitude je laisse des petites informations par-ci par-là. Sur ce, à demain les potes. Bon fin de dimanche. Bon lundi pour ceux qui reprennent sûrement l'école ou le travail. Ça dépend si c'est en vacances. Voilà, allez à demain.